Parce que du coup, on a eu aucune information là-dessus, jamais. Depuis, du coup, il y aura forcément un autre jeu. Riot ne va pas rester sur LoL, mais quel sera ce jeu? Ça, je suis extrêmement curieux. Je pense que quand LoL aura fini son temps, je sais pas pour l'instant en tout cas, mais quand il aura fini son temps, je pense qu'ils se mettront sur le dossier. Et donc, on est parti en fin de compte sur cette game. Donc, Nuit Blanche en Blue Side et Millennium en Red Side. On va couvrir les entrées des jungles comme au début de la dernière game. C'est un peu ce qu'on fait au début de game que ce soit Cyber PC contre Grobil ou bien Millennium contre la team des Nuits Blanches. Voilà un Pretty qui vient vers le bot pour essayer de faire des dégâts sur les différents. Il va, c'est marrant, c'est qu'il joue exactement comme avec sa Karma à s'avancer pour essayer de mettre des dégâts quoi. Sauf que là effectivement quand tu n'as pas de range c'est un peu plus difficile. Oh attention, casé. Oh flash out. Wow. La spire qui touche. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Kazé en vienne à arriver dans le pit du Nashor et il a dû se chauffer un flash. Moment. Ouais, il a peut-être un peu trop dansé, un peu trop fait le fifou. Pas assez de défis de. Il voulait se mettre du challenge. Écoutez les gars, je vais commencer ma lane sans flash. Et il claque. Il TP pour être sûr de ne pas perdre un seul creep et être toujours à niveau. C'est-à-dire qu'en fait il veut quand même jouer la phase de lane. Dans le sens où effectivement s'il avait pas TP il aurait pas pu aider son jungler. Et il aurait pu avoir un petit peu de retard notamment au niveau des creeps. En fait ça aurait mis mal Joko tout simplement. Et du coup ça aurait pu mettre à mal l'équipe générale des Millennium. Ouais, faire attention. Et pour cette phase de lane en tout cas le push est amorcé du côté des Nuits Blanches. Avec Mikrozer et Kikizer. Cette Zyra qui aussi ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bah Zyra, alors on en a vu une au World jouée par les SKT, sauf erreur de ma part. Justement la nuit, enfin il y a deux nuits en l'occurrence. Bah non, la nuit dernière. Semble-t-il, attention, Joko, oh, le fight à Shall Invade. Eh oui, c'est le taf de Nidalee qui est très bien fait ici. On a le décalage très rapide de Pretty, on va pouvoir récupérer peut-être le First Blood. L'Exos qui a été placé, l'arrivée de Kazé. Et ça ne passera pas à chaque Seja. Pretty qui flash in. Mais il pourra jamais la tuer. Ouais, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. En tout cas, Hathor était venu aider au niveau de cette top lane. On a eu un décal de tout le monde pour cette jungle qui a été subtilisée à Joko. Très bien joué de la part de Hacha qui met les pendules à l'heure, j'ai bien l'impression. Oh, c'est compliqué parce que là, du coup, le flash de Pretty n'avait aucun intérêt. Jamais il ne pouvait tuer cette Nidalee, c'est assez surprenant. Et le problème c'est que les Millennium qui ont une compo à la base où ils peuvent snowball, bah ils vont perdre énormément de temps. Et ça par contre ça fait le travail des Nuits Blanches. Hacha qui a fait une très bonne invade, qui a pu voler le buff, il peut maintenant continuer un peu son taf de sap. Ouais, surtout que si s'il freine cette Riven, bah lui il va apporter plus de soutien au niveau de ses lanes. Et attention, un Mikrozer là qui quand même prend pas mal de dégâts face à Kurioko. Le burst de Kikizer qui risquerait de mettre à défaut cette duo lane parce que bah, c'est très bien hein, que la Leona soit là au niveau de la tankiness. What the fuck, Joko qui a dû... Il est un peu en galère face au coin. En fait Riven, le problème c'est que ses premiers clean de jungle sont extrêmement difficiles et que malheureusement avant d'avoir fait deux backs, tu galères face au mob de la jungle, tu galères tout simplement. Et du coup là, il a failli mourir face au mob de la jungle, il part sur le Carapator pour se régénérer un peu. Kazé, le fight avec Hathor, attention c'est compliqué quand même, les creeps seront pas suffisants. Kazé va donner sa vie normalement, il devrait pas pouvoir s'échapper. S'il arrive de Joko peut-être, le 2v1, est-ce que ça va passer? Joko a encore son flash, faut attendre l'essai de Joko, il reste encore 7 secondes avant son aile brisée. Et il va pouvoir y retourner, attention Kazé pris à partie, le flash in avec la décharge de qui, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? C'est compliqué, Hathor. Ah il va prendre le double kill à Thor, il peut prendre le double kill à Thor normalement. First blood, deuxième kill peut-être à Thor, le lance-flamme, est-ce que ça a passé? Oh non. Très bien joué de la part de Joko qui avec ses stats. Pretty qui a pris un kill pendant ce temps-là. Ouais, très bien joué de la part de Joko qui a tendu vraiment ses CD pour mettre en place. Bah c'est son shield en fin de compte qui l'a sauvé hein, très clairement, c'est son shield. Et là pour l'instant, attention Hacha qui est au niveau de cette jungle, l'arrivée de la part de Iva pour essayer d'enlever. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il l'avait subtilisé. Mais non, c'est Kikizer qui a son bleu. Et une Zyra, même support, avec un bleu. Ah bah, ça risque d'être difficile. Galère, c'est du spam, du full spam. Et le problème, c'est que tu ne pourras pas éviter toutes les plantes avec le poke régulier de toute façon. Ouais, c'est très clair. Et Kikizer là qui continue au niveau de son Arras avec Mikrozer. Ils essayent de faire le maximum de dégâts pour ce push. On est déjà en avance hein, pour les Nuits Blanches, il faut conforter ceci. Même si on est à 1-2 au niveau des kills, on a une avance puisqu'on est déjà
Bah pareil au niveau des golds. Donc voilà, on le voit hein, très clairement. Ça commence à à se mettre en place. Ouais, tranquillement hein, au niveau de la mid lane notamment. Je pense que Pretty là va pouvoir mettre Seven en PLS, on va dire, tout simplement parce que il va passer level 6 avant lui. Et normalement effectivement Z c'est pas mal face à Syndra à partir du niveau 6 puisque tu peux dodge son ultimate. Mais si elle passe, si elle passe level 6 avant toi, forcément tu ne pourras pas le dodge et tu vas te prendre un gros burst, ce qui peut lui permettre de prendre plus de kills et effectivement de continuer au snowball. Au niveau de la top lane, belle avance de Hathor, en l'occurrence c'est avec très très bien géré le matchup. Et là bah Kaze va être un petit peu en galère, va faire que Joko revienne absolument. Ouais mais je pense que ça va être compliqué. Attention Duxer là sur, sur Pretty. Comme tu viens de le dire, il est level 6 avant. Attention. Attention parce qu'il y a quand même pas mal de boules près de lui. Joko. Acha, level 5 contre level 4. On essaye d'aller directement sur Pretty. Les bons dégâts, la fatigue a été mise en place du côté du Millenaire, des Millennium. On continue, la part de Acha, la spear qui n'aura pas lieu malheureusement. Et Joko qui met la pression sur cette mid lane. Ouais, Joko, il a besoin de venir en backup. Et une fois que l'aura son level 6, il aura quand même plus d'impact. Attention, est-ce qu'il... Ouh, ça va pas toucher la spear. Ça ne touchera pas quand même. Mais faut pas qu'il reste trop sur la mid lane non plus, ça peut être assez dangereux. On va avoir Seven qui devrait passer level 6 très bientôt. Pretty qui est déjà level 6 qui est parti quand même sur le mantelet du savant en l'occurrence. Hein. Il veut pouvoir tenir sa lane face à un Z. Ouais, il faut prendre ce Zonia du côté de... De cette Syndra, Joko qui va continuer à clean cette jungle. Cette jungle qui est assez difficile face à un Ashak qui est vraiment toujours dans les alentours, qui essaie de counter gank en plus de ça sur les side lanes. Attention, attention, et on le voit hein, Joko en top lane, il essaye de prendre la vision et de faire en sorte que Hathor ne continue pas à snowball comme il l'avait fait sur la dernière game. Ouais parce qu'il avait plutôt pas mal géré la chose. Après le truc c'est un Rumble qui n'a pas de flash, ça se fait gank extrêmement facilement par une Riven. Encore plus si à tout hasard on arrive à placer un stun de la part de Kanan. Attention le trade sur la duo lane. Yuki grab petit combo sur le coup de micro. Non il sera pas à portée. C'est Yva maintenant qui prend le trade face à micro. Et il va prendre le kill. Oui micro n'aura pas réussi à tuer Yuki. Ça passera à pas grand chose tout de même. Mais on voit les gros dégâts d'une Leona effectivement. Ouais c'est un peu dommage hein, en fait il était un peu coincé avec cette Leona hein, qui a très 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 bien fait Bah, il a fait écran, hein, il a fait écran, hein, comme au basket, il a fait écran pour pas qu'on essaye de prendre son carry AD. Et puis bah ça a fait l'effet, il est dû réavancer pour essayer de faire sa lumière perforante. Et ça n'a pas suffi. Ouais, c'est assez marrant, c'est que Joko part sur le smite bleu pour un petit peu plus de vitesse de déplacement avec Riven. Ça peut être intéressant, comme ça tu évites d'arriver au CAC sans tes dash puisque tu as du coup cette vitesse supplémentaire. Attention au niveau de la mid lane par contre, le warding est un peu défaillant côté bot, notamment côté sud de la rivière. Et la top lane qui se fait gratter petit à petit, un Kaze qui est un petit peu en galère. L'arrivée de Joko sera top lane, sur achat. Les bons dégâts, est-ce que ça va suffire? L'ultimate ne suffira pas. L'Equalizer d'Hathor, la destruction du Kennen. C'était le barbecue. Attention, attention Joko là qui s'avance un peu trop de la part de Hathor. Les bons dégâts, il a pris le kill encore Joko. Joko qui fait vraiment merveille sur son pick phare. Attention l'ultimate de la part de Seven. Est-ce que ça prend le kill sur Pretty? Mais les nuits blanches qui font une game pour l'instant excellente. Joko en théorie qui peut prendre un 20 top même si c'est ultra compliqué. Comme j'avais dit hein, sur la phase de pick et ban, les nuits blanches ont la possibilité de prendre une game au Millennium. Et on le voit très clairement hein, sur cette game. Même si on est à 13k gold de part et d'autre, on a quand même un Hathor qui fait très très mal à Kaze. Kaze qui est un des carry quand même en top lane. Bah ouais, et puis là il va avoir beaucoup de mal, c'est-à-dire que plus ça va, plus il prend de retard en termes d'XP aussi Kaze. On voit qu'il a déjà 26 de retard, là je pense qu'on a bientôt le niveau 8 d'Hathor, là où Kaze est à peine niveau 6. Ça va être un petit peu galère, hein, parce que Kennen normalement s'est effectivement pris au World en tant que counter de Rumble, mais dans ces conditions-là où tu es déjà derrière, malheureusement ta range ne te permet clairement pas de compenser. Exactement, regardez en pensant là, on a Yva qui va aller ward assez deep hein, sur la jungle adverse. On va essayer de mettre à mal H1 hein, et de voir où elle arrive. Il va arriver par derrière niveau 6. Il va arriver par derrière niveau 6, faire attention à pas se faire lock. Il pourra pas aller chercher micro. Et le petit juke tout de même. Attention, attention, hein, on est obligé de flash hein, de la part de Duxer pour Pretty. Il a son ulti, le midlaner des Millennium. Attention, malgré une belle amorce de fight hein, sur la phase. Mais un truc c'est que Pretty peut stack des boules et faire R, à mon avis il peut prendre le kill hein. Pour l'instant il n'y a pas d'ultimate pour Seven. C'est pour ça, vu qu'on a plus l'ulti de la part de Duxer, comme il l'a utilisé tout à l'heure, il l'a bien utilisé, bah ça risquerait d'être pas suffisant hein,
Petite avance en tout cas pour Pretty qui va essayer de voler le Corbin, mais Asha n'est pas très loin. On va essayer de l'amener vers Joko en l'occurrence, on fait perdre un maximum de temps au jungler de nuit blanche. Ah, Carapateur il est plus à la maison, c'est la vitesse de rentrer. Attention, l'ulti qui a été mise en place de la part de Kikizer, Riva qui est dans la tourmente, l'Equalizer qui a été mise en place, le TP de la part de Kazé, mais est-ce que ça va suffire l'arrivée de la part de Joko, mais Creuser qui va certainement tomber et qui tombe. Kazé malgré le lance-flamme, est-ce que ça va suffire? Oh, Joko qui évite encore une fois cet Ator. Ça passe à pas grand chose. Petite avance à peine, premier élément, 2 kills certes, mais 600 gold c'est pas énorme. On va récupérer le Carapateur et le niveau 8 pour Joko qui a déjà fini son item jungle. 3-0-0, je crois que c'est mieux que sa dernière fois il avait joué Riven Jungle, hein. C'était pas ouf me semble-t-il la semaine dernière. Ouais c'était ça, c'était pas tellement ouf. Ator, Ator qui fait des merveilles quand même. Il est là, il est toujours présent, il TP au bon moment, il est... Voilà, il place énormément bien son Equalizer et on l'a vu, hein, ça fait toute la différence. On est à 3-2 et même le Kennen, hein, Kennen qui est venu, qui a TP et qui n'a rien pris. Il est venu, il a TP, il a été vaincu. Ah, il a TP. Là où à côté on a comme 20-16 de plus du côté de Ator. C'est Ultra Wars, pour l'instant on a un Rumble qui est bien dans sa game. Et j'ai dit tout à l'heure, Rumble c'est un pick mid game qui est tout simplement, c'est une machine de guerre. Sur un bon Equalizer, ça te retourne le fight, ça fait tout à lui seul. Mais est-ce que ça va suffire? Ça peut, parce qu'en face pour l'instant c'est pas très tanky. Disons que s'ils arrivent à jouer sur mid game, ça peut se faire. Attention, non, Seven qui est prêt à partir. L'arrivée de Iva, je sais pas, est-ce qu'on peut placer le stun? Non, c'est un creep qui a été touché de la part de Iva. Pretty qui ne va pas mourir tout de même, ça passera pas grand chose. L'arrivée de Kiki, est-ce qu'on va pouvoir le lock? Flash out de Pretty. Ouais, flash out, mais attention, il y a la Nida qui est pas loin au niveau de la jungle. Est-ce qu'on va avoir ce kill à partir de cette lance magnifiquement lancée du jungler des nuits blanches? Ouais. Une belle projection, on a vu, hein, il a fait les Jeux Olympiques je pense. Belle distance, très bien visé en tout cas. Plutôt cool au niveau de cette top lane. Le retour de Ator, mais voilà, Joko est toujours présent pour venir en backup de son Kennen. Il sait que Kazé est en retard d'un game, de son fight je pense à ce niveau là. L'arrivée bientôt de Asha, on a un Maelstrom, est-ce qu'on peut le placer? Joko qui va s'échapper, l'avantage de pouvoir jump les walls tout de même. Aller loin à l'époque où Riven pouvait jump deux walls dans la game. Attention, et encore c'était pas voulu la part de Riot. On a un pic de puissance sur Kazé. Puisqu'on a plus l'ulti de la part de Ator qui avait mis, je vous rappelle, énormément de dégâts. Attention Asha, Asha, on a le flash, on a le flash du côté de Joko. Il y a moyen de faire un truc avec l'ultimate. Il faut y aller justement, voilà Asha qui va tomber. On force le flash out sur cette Nidalee. Oh c'est dommage la taillette des vents ici. La taillette des vents qui n'aura pas d'effet malheureusement sur le jungler des nuits blanches. Dugzer qui quant à lui va essayer. Attention Kurioko, Yuki, le flash in de Kiki qui ne prendra pas le kill. Mais c'est peut-être Iva qui va être pris à partir. Ça passe à pas grand chose. Iva est-ce qu'il peut s'échapper? L'exos qui est placé, les gros dégâts de micro et le lock, le rappel d'Orido. Est-ce qu'on pourra prendre un kill? Normalement ça ne suffira pas même avec les 4 balles. Pour l'instant la plupart des lanes des nuits blanches ont l'avance, hein. Au bot il y a comme 36 pour Yuki pour l'instant, mais c'est la seule lane qui est bien. Ouais mais après au gold, hein, quand tu vois, hein, c'est vraiment serré. Attention, attention, l'arrivée de la part de Dugzer sur Pretty. Les bons dégâts qui ont été mis en place de la part du midlaner des Millennium, mais ça ne suffira pas. Les deux parties ont été touchées, les deux parties sont tombées. Heureusement qu'il y avait cet achat pas loin. Ouais c'est plutôt worse en l'occurrence, ça fait kill plus assist. L'arrivée de Joko au niveau de la bot lane, il n'y a pas de flash, du coup va absolument falloir dodge le route de la part de Kiki. Bah Kiki va se sacrifier, voilà. Il se recule, il se sacrifie et on n'offre pas d'assist à Joko là-dessus. C'est dommage pour Yuki. Ouh, la spear. La spear qui fait très très mal, hein, de la part de Asha. On commence à avoir suffisamment de stuff, hein, pour essayer de one-shot quelqu'un du côté de cette jungle des nuits blanches. Ator, hein, qui continue manifestement à mettre à mal, hein, ce top laner Kazé. Je crois que c'est la première fois que je vois Kazé aussi mal. Ouais mais après dès le début il a fait une erreur assez monumentale et effectivement tu ne peux pas permettre à un Rumble de prendre de l'avance sur toi, hein. C'est compliqué. Joko qui va solo Teledrake, alors Riven je vous assure c'est pas le meilleur pick pour solo Teledragon tout de même. C'est clair, à part son shield qui revient pour absorber les dégâts du dragon, quelques dégâts du dragon. Mais attention de la part de Dugzer, là on le voit, le décal de la part du support des Millennium. Une spire de achat. Oh, oh, c'était limite mon le gars petit Smith. C'était limite. Après, à voir s'il va vouloir continuer sur la mid lane. Non, il back. D'accord, il back. Pendant ça, Dugzer qui essaye d'aller sur Kazé. Mais malheureusement, c'est pas fini. Kazé, l'utile Maelstrom qui a été mis en place. Attention. On va essayer de s'en aller. Et le kill qui a été pris quand même. Hein. On a fait un 1 pour 1 tout de même avec un assist supplémentaire pour les nuits blanches. C'est pas
trop mal effectivement. Bon, même si actuellement la tour mid va prendre assez cher, on a l'arrivée de Joko qui n'est pas très loin, qui va pouvoir style le red buff. Là où on force Asha à aller défendre cette tour mid pour éviter de donner une trop grosse avance au Millennium. Ou va partir la tour 1. Elle va partir au top. Elle va partir au top avec le first blood tourelle pour Ashor. Très bien, mais regarde hein, l'arrivée de la part du support et du jungler sur la mid lane. Asha qui va certainement tomber, beaucoup de lock, c'est ce qu'on en parlait juste avant. Et le kill qui va être pris en partie par notre ami Joko. Voilà, un lock et c'est fini. Attention, attention, Kikizer, le route qui va être mis en place, l'outil qui a été mis en place aussi, Kuro qui va certainement tomber, qui tombe, le TP de Kazé qui va arriver directement en contact de la part de Kikizer, la protobelle qui a été mise en place. Est-ce que ça a passé? On essaye de dodge. Les jukes, les jukes. Et attention, l'arrivée de la part de Iva qui est pas loin. Attention. Ah, ça va être compliqué, le pauvre Kiki. Il a bien joué Kiki, mais ils veulent pas se laisser assis chez les Millennium. Ouais. 4-1 quand même du côté du carry AD des Millennium qui est très très bien dans sa game. Il vient de finir sa Yumu comme Lucian. Et Joko qui continue la jungle. 4-0. 4-0, il va bientôt avoir son dernier marteau de Caulfield. Alors là après selon ses runes, je ne sais pas s'il aura directement s'il a besoin de 30% au niveau du stuff ou 40%. À tort, attention. Attention sur Iva. Non, je pense que c'est un peu trop un peu trop pressé de la part du top laner des Nuits Blanches. Et encore une fois à tort hein, qui carry cette game comme la première. À tort, je pense qu'il va à la salle, mais c'est sa team lui qui soulève. Exactement. Balèze comme gars. Ah, il est balèze hein, avec ses deux gros bras là. Attention. Après voilà, on est vraiment sur une lane qui est victorieuse, 46 de plus. Et il faut absolument jouer dessus les nuits blanches, s'il vous plaît, prenez des fights. Le souci c'est qu'en termes de team fight, en fait ils vont avoir l'ultime de Kikizer et l'ultime d'Ator. Et c'est assez compliqué de mettre les deux en place. S'ils y arrivent, effectivement ils peuvent stomper tout simplement les Millennium. Mais c'est difficile à mettre en place là où finalement moi tu mets une petite Kennen, t'es sûr de stun quelqu'un, tu lis facilement avec un le bus est arrivé sur Kuroko alias Yuki. Et on va prendre certainement cette bot lane, cette tower qui va être pris à partie des nuits blanches. C'est plaisant parce que les nuits blanches jouent ultra agressifs finalement et leurs rotations sont plutôt bonnes, ce qui leur permet de ne pas être en retard du tout face au minimum. Et c'est excellent, hein, on l'avait dit, à partir du moment où tu joues des compos comme ça, full snowball, bah tu vas jusqu'au bout et pour l'instant c'est ce qu'ils font. Ouais, c'est ce qu'ils font, voilà, cette tower qui va tomber pour... les nuits blanches, c'est une bonne chose. On va essayer de recoller au gold et c'est ce qu'on fait, on est au-dessus. Attention Pretty avec Iva, le boost de vitesse, bien entendu, avec la Yumu pour Duxer. Ah ouais, il attendait peut-être que la Leona revienne. Au cas où. Mais c'est pas passé, il va être prêt à partir. Voilà, le dashing qui a été mis en place, Uti en plus de ça. On a mis quand même pas mal de dégâts pour un support. On a un verre, on a Pretty qui n'est pas loin. Est-ce qu'on va avoir un nouveau lock? Peut-être. Pour Iva et non, bah, le problème c'est qu'on n'a pas fait cramer grand chose tout de même. L'arrivée de Joko, est-ce que Asha pourrait être prêt à partir? Peut-être. Le flash, on place le zone chapré. Le lock avec la force mortelle qui ne touchera pas, mais voilà, il y a les dégâts requis. Le prochain dragon est un infernal. L'ultimate de Seven sur Joko, c'était pas la bonne idée, Seven. Dommage, hein, c'était. Comme tu le dis, c'est pas spécialement la personne qu'il fallait ulti. Fallait peut-être le garder cet ulti ou dash ailleurs pour éviter cette Riven. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est à 5-0. Et j'ai bien peur que. Riven Leona en plus, c'est un des meilleurs combos que tu puisses trouver. Parce que le problème de Riven, c'est que t'es souvent obligé de. Tes engages dépendent tout simplement de ton flash pour faire ta troisième aile brisée avec un flash. Puis ensuite des charges de ki en l'occurrence. Potentiellement Hydra, etc. Bref, les dégâts de zone. Et pour ensuite refaire un combat avec tes ailes brisées. Le truc, c'est que si tu n'as pas de flash, t'es un peu en galère. Là où une Leona te permet, elle, de faire l'engage. Et toi, t'as juste à follow up. C'est ça. Et là, on l'a très bien vu hein, sur cette action. Que ça a marché pour Riven, mais aussi hein, pour l'engage de la part de Leona. Attention, Duxer hein, qui va se faire peut-être prendre à partie avec. Avec le support des Millennium, pensons à Joko qui est directement contre deux personnes. Joko qui risquerait de tomber cette fois-ci. Attention, Asha, l'équaliseur qui a été mis en place. Joko qui tombe, le shutdown de la part de Hathor. Et on va continuer sur Kazé. Pendant ce temps-là, Duxer qui va se faire complètement avoir de la part du support des Millennium. On va essayer de continuer de la part de Hathor. Essayer de Asha de revenir. Kazé qui aider. Est pas loin. Est-ce que Kazé peut-être les sauver avec un flash Maelstrom? Le rappel de rideau de la part de Yuki, on devrait pas pouvoir tuer Micro. Un premier dodge et on aura dodge quand même une balle sur les 4, c'est mieux que rien. Iva qui est présent, attention, mais le bouclier de l'aube, la lame d'unité, le flash in de Kazé, c'est le Maelstrom, c'est la destruction. Double kill récupéré pour le top laner de Millennium.
Ouais, pourtant c'était pas bien engagé hein, de la part de Kazé. Et là sur le mid game, bah, on est sur un Kennen qui est de compétition très clairement, et qui grâce à Maelstrom et la part de ses coéquipiers, bah met à défaut hein, cette team des Nuits Blanches. Attention, il faut un barbecue de la part d'Ator. J'ai foi à Ator, il joue bien sur Rumble en plus. Mais il faut juste essayer de réussir à planifier les fights dans la jungle, t'as pas le choix. Ah oui, non, mais très clairement. Tu dois rabattre les adversaires dans la jungle. Optimiser cet equalizer avec cet ulti direct. Je pense qu'on n'a pas vu encore de combo entre les deux, avec les deux. Et je pense que c'est un peu dommage. De pas investir C'est ça, essayer de se dire on se regroupe et puis on. Écoutez les gars, de toute façon on va forcer les fights. Parce que si t'arrives à lock Kazé n'a plus de flash, du coup tu mets un E de la Zyra et il y a moyen de faire des trucs. Ça peut. Il faut le tenter de toute façon, En bot, attention, on voit très clairement que Microzor est prise à défaut par Joko, les bons dégâts. Et malheureusement, pour le carry AD des Nuits Blanches, ça risque d'être compliqué. Ah, pretty prêt à partir, le Zoyak a été claqué, on met l'Exos rapidement sur Seven. Mais voilà, il a très très bien temporisé l'Exos Seven. Oh, Pretty qui essaie de prendre le kill, ça ne passera pas. L'arrivée d'Ator qui récupère avec une petite roquette. Pouf, pouf, je suis arrivé. Un harpon exactement. Ouais, avec un. Il a harponné Pretty, il l'a harponné Kikizer et Asha qui se mettent en escarmouche dans la jungle des Millennium. Et attention parce qu'il y a quand même un bel objectif, l'infernal, le dragon infernal qui va être engagé de la part de Joko. More snowball, please. More snowball, ceci dit, la game, il y a à peine 2k5 gold d'avance, ça se joue à rien. Oh, attention les blanches qui ne sont pas très très lentes. Joko qui ne peut pas rester dans le pit comme ça tout seul. L'arrivée de Kazé, le Maelstrom qui up. On a l'éruption solaire qui up aussi du côté de Iva. Kazé qui n'hésite pas, il va prendre l'ultimate pour une personne. Et voilà. Non, Joko et Iva qui n'ont pas été synchro. C'est tellement dommage. Ah, c'est dommage là encore une fois. Kuroko, qu'est-ce qu'il fait là? Il utilise les 4 slots de son ulti, c'est dommage quand même. Il aurait pu attendre. Ouais, ça aurait permis d'avancer des plus courts. Et du coup, nouveau dragon récupéré par les Millennium pour le moment. Mais il y a tout. L'écart gold n'est pas énorme, mais ça se remonte. Hein. 3k, c'est tranquille, vraiment, il n'y a pas de souci. Oui, c'est tranquille comme tu le dis. Et puis, on a quand même Ator qui est à 7-3. Hein. Il est à 7-3, le top laner des Nuits Blanches. Qui est quand même un peu plus important que ce Lucian qui n'arrive pas spécialement à sortir des mélasses au niveau des teamfights. Et c'est un peu compliqué. Pareil hein, pour Z, pensant la Pretty, le duel entre le carry AD et le mid laner. Oh, on s'en sort du côté de Microzer. A peu de choses tout de même, à peu de choses. Hein. Le petit dash du Lucian qui a dodge un petit peu tel Neo dans Matrix, l'arrivée de Seven sur la botlane par contre, qui ne va pas être content. Qui ne va pas être content, lui il a l'ultimate, Pretty n'a plus rien. Bonne chance Pretty, bonne chance. Bonne chance de la part de Pretty. Et de Xur qui ne lui aura fait donc aucun cadeau. Pensant là à Thor qui va certainement s'en aller. Il était bon, il était beau. J'ai bien aimé l'ultimate de Joko quand même. En fait avec l'ancien ultimate de Riven, c'est le genre de choses qui passait. Et malheureusement vu que le CD, enfin non, le temps de... la distance, la vitesse de l'ultimate a été diminuée. Les gens peuvent flash au moment où tu l'actives pour l'éviter justement. Et du coup t'es obligé de bait ultimate, c'est assez galère. Joko qui va récupérer un nouveau kill à moins que ce soit. Oh, c'est Kazé, Kazé l'instoppable. Mais il faut vraiment qu'ils arrivent à se regrouper les Nuits Blanches, sinon ça va pas le faire. De la part de comment dire, de Kikizer de s'être déplacé et d'être resté en fait sous cette tourelle. Voilà, c'était pas opti. Voilà le Yvain qui fait son taf, le dashin avec son E. Voilà, la T2 qui va se faire gratter pas mal. Et regarde, ça vient par derrière. Un pour un. Un pour un, voilà, tout va bien. Pareil en top. C'est un peu un duel de... comment ça s'appelle? Les... ils marchent 10 pas, ils se tirent dessus là. Les cowboys. Le Far West quoi. C'est ça. Et on continue. C'est la débandade. C'est la débandade malgré hein, le kill. What? Il a pris quand même le kill sur... ouais, avec le toucher de feu mortel. Ah sur ouais. Effectivement ça permet de gratter, on a récupéré une T2 du coup au top pour les Millennium. C'est une game où il y a tellement de kills. Ah il y a que de ça. On a plus de 40 kills, on est à peine à 24 minutes. Ah. Il a voulu essayer de prendre le blue buff. La petite Iva. Kikizer qui malheureusement il a pas eu de bon déplacement de la part de ce support. C'est un peu dommage hein. Il fait un peu défaut à hein, cette team pour l'instant. En fait,
pour moi ils auraient simplement dû essayer de se regrouper les lignes blanches. Alors certes, leur teamfight, on va dire, de base, n'ont pas l'air, sont pas mieux que les Millennium, parce qu'effectivement en face t'as l'éruption solaire et tu as le Maelstrom tout simplement. Mais tu as une possibilité de les bloquer tout simplement avec un E de la part de ta Zaira. Et dans ces conditions là, sur un E, un bon ultimate, ça se tente, ça se tente, parce que tu balances l'Equalizer et tu te dis on y va de toute façon. À partir du moment où tu n'arrives pas à jouer le catch parce que les adversaires ont pris une domination de la carte, t'es obligé d'essayer de jouer le fight. Attention, attention, il va l'arrivée de la part de Duxer sur le Jin. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça suffira. Ça suffira, on pardon. On s'échappe, on revient sur l'ombre. Il va pouvoir s'échapper, l'arrivée de Kazé. Les bons dégâts pendant qu'on a... Alors, Joko qui est à côté à première vue. Acha qui est prêt à partir. Joko niveau 15 quand même. Il y a un contre 13 pour Acha. On voit qu'il a changé la donne, l'utile de la part de Kazé, est-ce que ça va suffire? Allez, on temporise avec ce Zonia, mais Kazé qui risquera de tomber, certainement l'arrivée de la part de Joko qui va faire le kill. Et un autre kill sur Duxer. Qu'est-ce que tu veux faire contre Joko là à l'heure actuelle? Ah bah le problème c'est que Riven, hein, pour connaître un petit peu le pick, c'est un pick qui peut s'outplay mais il faut le connaître par cœur. Sinon si tu ne peux pas l'outplay parce que t'as trop de retard et que tes picks te le permettent difficilement, t'es obligé de jouer ultra tanky. Et le problème c'est que là la team de Nuit Blanche n'a rien pour jouer ultra tanky. Du coup forcément la seule possibilité maintenant c'est que Riven Grid fasse des flash-in agressifs et qu'ensuite t'arrives à placer un CC et à la tuer instantanément. Bref, dans tous les cas là ça n'arrivera jamais puisque derrière t'as un Kennen et t'as une Leona. Ça me paraît compliqué. Il y a beaucoup trop de menaces du côté des Millennium pour qu'elles puissent être gérées tout à la fois par les Nuit Blanche. Tu n'as pas l'idée où on doit focus tel ou tel perso. Tu en focus un, les autres vont te détruire. Mais si ça avait été l'inverse, que les Nuit Blanches avaient dominé, ça aurait été exactement la même chose. Ouais putain, cette pression que met Joko, il a 16, il a quoi, il a 12-1. 12-1-4 quand même du côté du jungler des Millennium. Attention, attention, Kuroko qui est pas loin, donc je rappelle hein, Kuroko pour ceux qui viennent d'arriver, c'est Yuki. Yuki qui signifie neige en japonais. Voilà, Acha pris à partie, on a pu placer la lame du zénith. Ah, ça ne touchera pas par contre la floraison mortelle et on a Joko qui va succomber au coup adverse. Destruction par appel du rideau 2 et Yuki qui est pris à partie, c'est le barbecue sur Yuki. Et c'est Hathor qui va récupérer la saucisse. C'est exactement ça et j'avais pas cramé mais en fin de compte la Leona est partie sur Protobelt. Attention, Kazé, Kazé, Kazé qui risquerait de tomber là face à Hathor, il est encore bien. Bien pris, on a pris le kill par contre du côté de Duxer. Attention, attention, on est continuellement sur le petit. Oh, l'aube sera pas suffisant, il va pourra pas s'échapper malheureusement. Ivan ne pourra point s'échapper, on n'a pas d'éruption solaire bientôt, pas de lame du zénith, rien. C'est terminé. Au revoir Ivan. Content d'avoir connu. Et il remonte un petit peu hein, quand même les nuits blanches hein, sur cette action. Hein. C'est un ace hein. C'est un ace et au niveau des golds, il n'y a pas énormément de retard. On est comme tout à l'heure, hein, 3k5. C'est pas énorme vraiment, les nuits blanches sont pas trop très en retard dans la game. Mais il faut réussir à prendre des fights comme ça, il faut réussir à saisir les orbes Millennium. En l'occurrence, les Millennium étaient très mal placés, on a eu Joko qui était super avancé, ils sont morts un par un, tout simplement au lieu de teamfight. Dans ces conditions-là, les lignes blanches font ce qu'il faut, ils récupèrent, ils catchent tout ce qu'ils peuvent. Et ils essaient de snowball un maximum dessus. Et c'est ce qu'il faut faire, voilà, un Kizer qui va bas, enfin qui va back avec, avec son carry AD, 7-5 du côté de Yuki. Et 10-6 du côté de Rumble hein, qui a son Riley, sa proto. Il est présent, l'ulti qui a été mise en place sur Joko, Joko qui prend en partie les deux. Et ça ne suffira pas pour tuer le midlaner des Nuits Blanches. Ah t'es squishy. T'es squishy effectivement, quand tu joues une compo comme ça, t'es ultra squishy, tu ne peux pas te permettre de te balader solo malheureusement. On va bientôt avoir la QSS est faite du côté de Joko. On va partir sur le cimetière mercuriel. Mais ce serait pas mal d'avoir une Hydre Vorace tout de même après. Hydre Vorace aura cet intérêt bah, de rajouter en lifesteal forcément et d'avoir ce petit côté burst en plus. On rappelle l'auto-attaque, cancel de l'auto-attaque avec l'Hydre Vorace, cancel de l'Hydre Vorace, soit avec un Q-spell, soit avec un Z, ce qui est plus simple. Ça vous permet de mettre un burst en un laps de temps très très court avec Riven. Là, on essaye de revenir hein, sur Pretty du côté de Acha. Attention, attention, attention. Ça pourrait être dramatique là. Pour Pretty. Oh là 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 là. Bah, les Millennium qui n'arrivent pas à se regrouper. Du coup, les Nuits Blanches en profitent. Regarde en mid, en mid. Attention, l'arrivée sur Hathor. Iva qui va essayer avec la protobelt. L'ulti qui a été mise en place. Très bien joué. L'arrivée de la part de Acha pour contrecarrer les plans de la part des Millennium. L'arrivée de la part de Kazé. C'est tellement tendu. C'est tellement tendu. Bien joué. Qui a essayé de prendre le kill sur Pretty, mais voilà, il y avait un bon Zonia. Kazé qui se prend la queue, Lingas qui va pouvoir reculer. Kazé, est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Non, pendant que sur la top, le split push est fait de la part de Seven. Et c'est le rappel de rideau de Yuki qui va pouvoir aller ramasser cette plante. Dans ce temps-là, bah, qu'est-ce qu'on fait de la part de Duxer? On essaye de prendre cette tourelle. Ça va très très vite du côté
de Joko, on essaye de prendre la partie. Et voilà. What? Ah oui. Ouais, les bons dégâts, en fait, il y a le proc de la marque de Z là, et en plus de ça, de la lame vespérale de Rektar. Et ouais. Attends, non, il a pas de Rektar, pardon, juste l'ultimate. C'est pour ça, ça me semblait... Ah ouais, autant pour moi, je n'avais point vu. Oh, lame Zenith, il a essayé de dodge micro, il a été prêt à partie. What? Regarde le troll de Yuki. Oh là là. Ce troll. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa, malheureusement. Pour les Millennium, j'ai l'impression qu'on est parti pour finir cette game. Je pense qu'ils se sont assez amusés de leur côté. Bah ouais, moi ce que je trouve pas mal, c'est plaisant comme c'est que les lignes blanches mettent chacune de leurs erreurs. Mais ils ont commencé à se regrouper trop tard. On l'a vu, hein, dès que les lignes blanches se sont regroupées, les Millennium ont fait des erreurs en allant suicider quasiment un par un. Les lignes blanches ont pu reprendre un peu l'ascendant avec ça. Mais ensuite, bah les Millennium, dès qu'ils arrivent à se regrouper un peu, forcément il y a le teamplay qui fait le taf. Ouais, prêtez attention là. Qui se retrouve face à Hathor. 10 à 7 hein, quand même le top laner des nuits blanches. Le bâton du vide qui a été fini. Donc là on va mettre quand même de bons dégâts, même si on a de la RM. Ça ne suffira donc pas contre lui. Après, encore une fois, hein, toujours pas de symbiose entre Hathor et Kikizer. Bah, on n'a pas vu de combo d'ultimate quoi, mais après c'est compliqué à mettre en place, faut vraiment aller aller forcer dans la jungle, il faut aller chercher les adversaires dans la jungle, faut faire des traps, faut prendre beaucoup de wards. Les fameuses pink wards, enfin Chant serait là, ils iraient acheter des pink wards, le bait à la pink ward justement. Allez allez allez, Joko Joko Joko, l'outil qui était mis en place de la part de il a un flash Joko, il a un flash et le brisé là, il chopait 3 personnes mais il a pas de mate pour backup derrière, c'est un peu dommage. Et pendant ce temps là, bah, ça speed push. Qu'est-ce qu'on fait hein, quand c'est comme ça, quand on n'a pas l'avantage? On speed push et surtout que Z peut s'en aller très rapidement. Attention, Asha qui va certainement tomber. Dommage pour lui, le flash est un peu trop. Belle l'outil de la part de Kazé. Ça ne suffira pas. Joko, Joko, Joko qui essaye de prendre la partie Microzer. Il va tomber. Et non, il ne tombera pas. L'arrivée de la porte Pretty pour apporter son soutien. Mais que fait Dugzer? Bah, il est tout seul. Il fait le push, voilà, il fait du speed push. Il sait que de toute façon malheureusement au teamfight ça va être compliqué. Et du coup il part, il fait le push, il essaie de récupérer des objectifs. Et il force le bac de Kazé pour le coup, hein. Joko va les gratter au niveau du top. Et au mid il a pas mal de mates hein, qui vont de toute façon faire le push. Kazé qui n'a pas de maelstrom et qui ne peut donc pas prendre le fight. Seven qui va aller chercher justement Kazé. L'ultimate claqué, on pourra pas placer le stun en théorie, est-ce que ça va suffire? Non malheureusement pas, et si il revient dessus pour détruire ce petit ninja. Ouais c'est très très bien, mais par contre hein, il reste encore pas mal de temps avant que toute la team des nuits blanches revienne. Un inhibiteur de prix, un deuxième inhibiteur de prix, est-ce que ça va être rentable pour la team des nuits blanches? Ça me rappelle une game, ça me rappelle une game qui avait eu lieu avec, avec Spontex qui essayait de revenir au niveau de sa base mais qui n'est jamais revenu et qui a laissé toute sa team malheureusement. C'est le trade base les amis, c'est le trade base compliqué. Le barbecue de Hathor, il fait griller les saucisses, est-ce que ça a passé? Non malheureusement pas. Et Joko va survivre à cette fontaine. Et bien deuxième game gagnée par Emilium. C'était une game full clown fiesta, full action. On est quand même à plus de 70 kills. 73 kills dans une game de 33 minutes. C'est plus de 2 kills la minute les amis. Impressionnant.